Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série The I-Ho! Comment dire? Est-ce que vous reconnaissez ce Dinosaurus? Dinosaurus Rex, Galliminus Rex. Eh non. Eh non, eh non, eh non. Comment dire? Comment dire que ça n'est pas là la vérité? J'attends un Nest, tout simplement. Tu me dis quand je peux t'inviter. Hein. Ah c'est bon, c'est bon. Et voilà, voilà la vérité. Je rejoins un nid de Stégosaurus. Il y a des grosses pattes là. Ça pue. Reste dans le nid. Yes, j'arrive au bon moment. Alors déjà que le nid était plein de sang, maintenant, putain, il y a des gigas qui reviennent. Attends, faudrait qu'on se mette. Bon, j'arrive, c'est un peu la crise. Je me refoutre contre mon rocher. Ah mais il y a la carcasse d'un allo que j'ai tué donc. Ah, ok. Bon, J'espère peut-être qu'il qu'il va l'avoir. mangera la carcasse. J'espère. Nous, on est prêt à casser des gueules là. Hein. Attention. Bon, alors du Alors j'ai coup, un peu peur qu'il s'énerve mon petit bonhomme. Stégosaurus juvénile, j'ai 4 newtons de bite force, yes. Je fais 17 kilos. En fait ouais la technique, tu te mets au bord de l'eau, contre un rocher. Ils peuvent arriver que de derrière. Alors, je crois que ce dinosaure, bah, du coup, il peut nest, hein, ça c'est sûr. Aïe. En revanche, il peut pas sentir, et ça, c'est un peu la merde. Je suis un bébé en PLS direct, je suis quoi? Je suis un mâle? Non, je suis une femelle. Ah, c'est cool. On va Ouais, c'est bouffer. con, j'ai l'impression qu'il mange la carcasse. T'as même pas eu le temps d'admirer ton petit là. Bah non, même pas, t'arrives, il y a un cri de giga donc. Et depuis tout à l'heure, il y a des gigas et tout ici. Maman! Alors, fais bon. Putain, c'est chiant le câble. Ah, t'es une femelle! Ouais, je suis une petite Ah, c'est femelle. bien ça. Bah, en vrai, ça va, t'es pas si énorme que ça, t'es grosse, mais t'es pas énorme non plus, quoi. John aussi qui me disait t'es grosse, ouais bah c'est bon T'es grosse. quoi. Ouais non ouais, il est pas énorme. Bah c'est cool en tout cas l'emplacement du nid là à côté de Giga et Super. tout. Ah ouais, j'ai super bien trouvé, comme j'ai dit, je me suis bien mis dans un passage où tout le monde passe, je le sais, je le connais celui-là. Tu vois là c'est un chemin pour aller à l'eau. Ouais j'avoue, t'es au milieu du Ouais. chemin. C'est vrai qu'il y a une anguille avec nous, c'est cool. Donc, faut pas déconner, hein, ils ont fait mal. Y a des grosses pattes! Oui. Y a un Rex qui arrive derrière vous! Attention, attention, Rex, cassez-vous, cassez-vous! Il y a ça, c'est ça. Moi je suis coincé dans l'eau, c'est terrible la situation là. Bah, il va pas te mordre. Oh mon Dieu! Toujours un Rex. Ah j'avoue, c'est horrible. Ah, puis il a un bébé, oh, bah comme ça c'est super, on est Attends, trop je reviens, content pour j'arrive, toi. j'arrive. Attends, je dois déco, enfin vite fait. Hein. Ouais. Ah ouais, je suis là. En plus, j'ai la dalle. Alors, il y a deux Rex et un bébé Rex, on est mort. Hein. Ok, cool. C'est une famille. Super. Yes. On est trop dans la merde, quoi. Oh. Fais Berserk. gaffe. On va essayer de te barrer en cas. Il y a le bébé qui fait le tour, fais gaffe. Hein. Ah ah ah! Ils attaquent.
Bah, c'est l'Ankylo qui prend, ça va. Yes. Ouais, ah bah il est mort. Hein. Ah, mais c'est terrible. Je peux rien faire, je peux pas l'aider. Ah putain. Mais c'est horrible, wesh, qu'est-ce qui se passe? Et moi, en attendant, je dois bouffer. Sale bête. Alors attends. Je vais juste pas rester à côté d'eux. Le truc c'est que t'auras besoin d'eau quand même. Bon, au moins, je sais que j'arrive dans un monde un peu compliqué. Ouais, hein, putain, la famille Rex, quoi, le giga, la famille Rex, l'allosaure. Bah, ils se sont fait attaquer par un allosaure avant que j'arrive aussi. Ah mon dieu! Je me fous par là, et après j'essaierai de faire un nid dans les arbres. C'est là au bord d'eau, c'était trop risqué. Ouais, j'avoue, c'était pas ouf. Ouais, bon, pour l'instant, je te laisse ta ligne quand même. Mais... Ah mon dieu, quoi. Bah, heureusement qu'ils t'ont pas attaqué, toi, quoi. Bah, non, parce que c'était. J'étais super bien placé à côté de mon rocher et l'eau, et c'était l'Ankylo qui leur foutait des coups de queue dans le vent, donc c'est lui qui a pris. Mais... Ouais, il a fait le dinosaure énervé, et c'est le dinosaure voilà. Énervé qui a pris. Par contre, ils ont pris des sacrés dégâts. Hein. Oh, de toute façon, là, c'est clair qu'on peut pas rester ici. Hein. Non. Bah, par contre, le problème, c'est que le stégosaure est quand même assez mal modélisé, quoi. Vous le voyez. Hein. Il a l'air de s'être pris un bus, en fait, dans la tronche. Quand il marche, il est totalement désarticulé, quoi. Regardez ça. Moi, j'ai 2 minutes pour refaire un nid, mais attends, je vais chercher un buisson déjà. Il est totalement. Problème des cervicales. C'est pas très cool hein, d'avoir cette vision là. Et ça je crois que c'est un juvet quoi. C'est dingue, il est énorme. Je sais pas si j'ai vu un seul, j'arrive pas à reconnaître. Tu l'as pété le nid là? Ouais, mais je sais pas si tu peux. Normalement, t'as 2 minutes pour manger dedans, non? Je sais pas si ça marche en. Non. Attends. Peut-être que oui. Non. Bon. Je vais crever de faim. Tu as pas crevé de faim déjà, si? Si je me prends, je suis en train de prendre des dégâts là. C'est descendu, juste de faire l'aller-retour à l'eau, ça a descendu quoi. Tu peux manger toi dans les buissons? Je pense que oui. Ah j'en vois un là. Je sors de mes arbres que je le trouve. C'est bon, je le vois. J'ai plus de stam. Hey, c'est le pire pire naissance ever. Et s'il survit ce stégosaure, ça sera le miraculé. Hein. Le miraculé stégosaure russe Rex. Non, pas du tout Rex. Mais j'aime bien dire ça. C'est un peu un kiff. Par contre, vous y voyez plus rien, non? Ouais, YouTube avant tout. YouTube avant la bouffe. Et là, si je peux pas manger, je suis full dans la merde. Ah, c'est bon, je peux manger. Ouais. Bon, je vais devoir me faire une expédition nocturne pour aller boire. On va manger avant, histoire d'être sûr, pas crever de faim en retour. Le problème, c'est qu'en fait, je peux pas sentir. Je sais pas ce que je vous l'ai dit. Du coup, bah, ça fait que. Là, je sais pas où est l'eau, quoi. Bah, c'est censé être par là. Mais, rien n'est moins sûr. Ouais, bah, le raptor, tu vas pas m'aider, hein. C'est pas toi qui vas me donner un buisson. Oui, et d'ailleurs, il y a ma mère Stegosaurus qui est en train de crever de faim, qui essaie de chercher des buissons. Mais vu qu'elle ne peut pas sentir, eh ben c'est le même problème quoi. C'est quand même la merde d'avoir un dinosaure qui ne peut pas sentir, c'est quand même extrêmement compliqué. Hein. Alors au début, je pensais pas, mais en fait, ouais. Ça sent un lac là, non? C'est tellement dégagé. C'est tendu ici. Ouais, j'ai entendu l'eau. Yes. Bon, c'est vrai qu'elle est là l'eau. Putain, va falloir retrouver le nid quoi. Normalement, je suis allé tout droit. Hein. J'espère que j'ai pas perdu le nid. Si j'ai perdu le nid, je suis mort. Maman, au secours!
J'ai perdu le nid. J'essaye de revenir, mais j'ai plus de stam, quoi, donc... C'est merde. C'est surtout que j'ai plus de stam, parce que sinon, en deux secondes, j'y serais, quoi, mais... C'est terrible. Alors peut-être qu'entre... Au secours! Allez, je vais crever de faim! Mais il a trop souvent faim, ce putain de dino aussi. Oh non, t'es pas du tout dessus, apparemment. Tu entends mes cris ou pas? Non, j'entends un drip. Et celui-là, tu l'entends? Ah, oui. Maman, au secours! Voilà, tu dois être à côté de moi, donc c'est pas là du tout. Je me suis perdu dans la nuit! Mais j'ai pas de stam, quoi. Allez! Le trio, faudrait qu'il aime me sauver la vie, vrai. Hein. Ouais, ce serait pas mal. C'est un peu con de compter sur un Drio, mais bon. J'étais aussi loin que ça, Juni. Il est là, ouais. Là, je me suis complètement perdu dans la nuit, quoi. C'est dingue. Ah ouais, mais c'est dingue. Hein. Oh putain, ça y est, moi aussi, je vais prendre des dégâts. Venez m'aider. C'est la merde. Oh, putain, aïe, aïe, aïe. Ouais, pire prog. Pire prog ever, quoi. Je crois que j'ai jamais eu autant de problèmes dans ce jeu, quoi. C'est abusé. Je veux un buisson. Je vais plus bouger du nid, hein. C'est fini, quoi. Mais je peux rien faire pour l'aider, c'est ça qui est terrible. J'entends ma mère mourir de faim. Ah, ben voilà, c'est ce dont j'allais vous parler. Oh mon dieu. Bon, là, y a, vous voyez, il y a Drazer qui vient de se faire nest. Et aussi, on est entouré de Gio. Le calvaire ne s'arrête pas. On vit dans un monde dangereux. Oh là là, Drazer, le tout petit bébé. Oh, c'est une femelle, là. Même couleur que moi. Bref, du coup, là, il fait jour, donc ça va. Les Gio, pour l'instant, c'est gérable. Mais... J'ai peur pour ce tenu, quoi. Parce qu'ils nous ont clairement vu, ils ont une carcasse à côté. Et ça pue. Ça pue vraiment, je sais pas si vraiment ce dinosaure. C'est un peu la misère pour lui là pour l'instant. Stégosaure. C'est assez terrible. Une prog. Oh mon dieu. Une prog assez dangereuse, on va dire. Ça va être une nuit vraiment terrible. Vraiment. Je sais que vous allez tous mourir, hein. C'est pas. C'est ça le problème, quoi. C'est vous qui allez viser, donc... En cas, on peut bouger à ton buisson que tu connais là-bas, là, discrètement. Ouais, bah avant la nuit, parce que je le retrouverai déjà pas. Déjà, deux jours, c'est compliqué. Vas-y, go bouger, hein. Drazer, il pourrait survivre si on se met à côté d'un buisson. Ah, c'est bon, j'y suis. Ah, yes, on arrive. Oh, il y a un dilo derrière toi, Drazer. Oh, il va me chasser, il me chasse, il me chasse, il me chasse. Lee, au secours! Ah, Scrooge. Bah ouais, mais. Ah, ils sont deux, ils sont deux. Est-ce que tu peux éviter de me tuer, s'il te plaît? Merci. Je sais pas où ils sont, par contre, mais. Ah, ils sont partis, ils sont partis. Bah maintenant, je vais perdre mon buisson. Il est sur moi, ils sont sur moi! Ah, c'est horrible! Oh mon dieu! Eh, c'est le pire délire, quoi! Le truc, c'est qu'ils nous voient, quoi! C'est ça qui est horrible, ils nous voient! Ils savent où on est! Ouais, ouais! Essayez quand même de vous cacher, vous deux! Ah, bah là, je me suis caché! Aïe 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 aïe. Je suis caché derrière une pierre et un trou. Y'en a qui sont sur nous là.
Je les entends, je les vois pas. Ouais, mais surtout bougez pas. Hein. Il est 21h. Ah ouais, bah, ça va durer jusqu'au matin. Je vais me foutre à côté de mon rocher, je vais attendre qu'il me fonce dessus. Il y en a vers moi. Ouais, je l'entends. Je le vois pas, je le vois mais pas. Vous, si vous êtes pas en bleed et tout, normalement, il vous retrouve pas, là. Si vous bougez pas du tout, et que vous êtes bien planqué, y a aucune raison qu'il vous... Après, moi, je pense pas qu'ils vont m'attaquer parce que... Genre, ils ont vu que j'étais tout petit, donc ils ont pas essayé de m'attaquer. Et moi, je dis que si vous bougez pas, ils vous trouveront pas. Ah, il y en a un qui marche vraiment à 3 cm de moi, là. Ouais, ouais, ouais. Bon, du coup, on est parti en expédition haut, mais ouais, ça pue la merde. Voilà pourquoi. Parce que les dilos sont toujours là en fait. Mais mais du coup, en fait, on est obligé d'aller voir quoi. Ses potes sont barrés ou. On est clairement obligé d'aller boire et. Et là, après, ça va être super chaud de retrouver le nid quoi. T'as combien de pourcents niveau bouffe, Drisa? Ça commence à chuter. 31. Aïe aïe. Bon, on a survécu à la nuit, mais les problèmes ne sont pas réglés pour autant. Ce dilo reste ici. Vers le rocher au pire. Coupe le rocher. Ça pue, hein. Ça pue vraiment. C'est bien. Le truc, c'est qu'on est retourné au buisson, en fait. Ouais. Vous êtes plus du tout sur le buisson aussi. Non. Si je me souviens bien, je sais où il y en a un gros énorme. Ouais, il est vers le fond du chemin là-bas. C'est pour partir en embuscade n'importe quel moment. Fais gaffe, toi. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Il scrooge. Ouais, ouais. Dog, il va arriver sur toi. Et il te veut. Merde. J'ai que 45 newtons de bite force, c'est terrible. Il nous rush. Oh, il a failli me tuer. Oh, voilà. J'ai tué Drazer. Ah non, il t'a tué. Il m'a tué. Oh, il m'a mis 25 de bleed. Il m'a mis 25 de bleed dernier screen. Je suis à combien de bouffe? Je suis à 13%. Là c'est. Là c'est vraiment critique. Hein. Là c'est critical. Ouais. C'est tellement compliqué. Encore heureusement qu'il y a un buisson. Le buisson, je sais pas si vous le voyez. Il est ici là. Il est ici. Donc heureusement qu'il y a ce buisson ici. Parce que si en plus je devais chercher un buisson, ça aurait été la merde. Mais heureusement que je suis à côté d'un buisson aussi, tu vois. Oui. Parce que si je devais chercher un buisson là, c'était mort. Hein. Genre, je crevais 100%. Ouais. Hein. Là, en fait, je suis en choix. J'ai 4 de bleed et je suis à 13% de bouffe. Là, il faut que le bleed. Faut vraiment que le bleed passe, ouais, mais ouais. C'est pas vu normalement. Disparaisse avant la bouffe, quoi. Mais la bouffe, j'ai perdu. J'ai perdu 8% en. Ah bah je suis à 2,5 de bleed. J'allais dire j'ai perdu 8% en 0,5 de bleed, mais non. Je compte en bleed. En temps de bleed. C'est clair, toi, la nouvelle façon de. Ah non, mais ce serveur il me réussit tellement pas, moi, c'est ouf. Attends, c'est le nôtre, c'est dommage. Bah ouais. Il m'arrive que des merdes. C'est ça le pire. Ouais. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais miracle s'est produit malgré toutes ces galères. Je suis enfin adulte. Alors, des 61% growth en bas. Du coup, je suis enfin adulte et c'est ça que je pense qui m'a permis de pas mourir. Mais du coup, là, la situation est quand même assez complexe, quoi, on va dire. Mais heureusement qu'il y a ce fucking buisson à côté, sinon c'était dead de chez dead. We did it! Bon, à part lui. Je viens de dire dans ma vidéo. Je viens de dire, regardez comme il court, il est content. Heureux de vivre. De toute façon, il passe tellement près de la mort qu'il peut que. Ouais, c'est ça. Non, on a enfin réussi, c'est cool.
Ça a été tellement dur cette prog, franchement, les guys et les girls. Ça a été tellement dur que... Bah ouais. Vraiment, je suis content d'être adulte là. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire, ce stégosaure est un véritable miraculé de la vie. Il a tout subi durant sa tendre enfance, durant son âge hatchling et juvénile. Maintenant adulte, oulalalalalalala. Et que personne ne vienne, hein. La vengeance va être terrible. La mémoire du stégosaure, tel un éléphant, ne s'effacera jamais. Son courroux sera immuable. Bref, bah content d'être adulte quand même. Allez, tchuss.